Chris, you crazy mother. Pour le cocktail, il va nous falloir de la menthe fraîche, du sirop de sucre de canne, du rhum blanc, un ananas et un mixeur pour la confection. Et vous y ajouterez aussi quelques glaçons. On va... Alors, l'idée, c'est de couper grossièrement la menthe. Deux grossièrement parce que, pour, de toute façon, on va la mixer portions, avec le reste. Deux portions voilà. De cocktail. On émince un peu. Voilà, une énorme tranche comme ça. Ça suffira. Tous les ingrédients sont prêts. Donc, nous avons le rhum, le sucre de canne, la menthe, l'ananas et les glaçons. On arrive à la partie la plus sportive. Donc, oh ouais, notre glace, l'ananas, la menthe, le sucre et le rhum. On ferme. Et là, vous m'avez bien suivi ? On prend notre jus dans un grand verre. Ensuite, il y a de l'ananas. Une petite branche d'ananas sur le bord du verre. Une petite feuille de menthe. Et une paille. La dégustation. La dégustation. Hein, donc, cette fois-ci, nous sommes avec Marie-Floriane. Bonjour. Voilà. Mais cool ton chapeau. Ouais. Bah, c'est pour l'occasion. On est sur des choses un peu tropicales. Voilà. Et donc je te laisse faire le premier goûtage. Le premier goûtage, ouais. C'est sûr. Donc là, le ananas menthe, rhum, voilà. Verdict. Allez, c'est parti. Si j'arrive à boire sans que le chien me mange. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est frais. Mmh. Il y a l'équilibre, on sent un petit peu tout, je dirais. On sent un petit peu tout, c'est vrai que la menthe est discrète au début, mais on la sent bien à la fin. Complètement. Et puis le rhum, enfin, on le sent quand même pas mal. On le sent, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Ouais. Après, si vous êtes des petits gourmands, vous pouvez rajouter un peu plus de sucre de canne en sirop. Là, il y en a pas trop, mais ça va, c'est pas trop acide non plus quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que menthe ananas, c'est un bon mélange. Ouais. Votre pompette, hein. On va mal finir. Hein. Ah bah ça. On sait comment on commence, mais. On sait jamais comment on finit. C'est marrant de voir la vie de ce cette échelle-là. On voit le dessous de tes placards. On voit le ménage qui est pas fait. Il y a des petites fibres d'ananas quand même. Ah ouais. L'inconvénient de l'ananas, du kiwi ou des framboises en smoothie, c'est il faut les des fois il faut les filtrer parce que ça. Coucou la télé. Voilà. Les années 90. Vraiment, c'est l'internet, Marie-Floriane. Ah, c'est l'internet. Et on n'a pas fait de chine. Oh, on n'a pas fait de chine. Oh. Ah oui, j'ai une petite fibre. Non, pour éviter un maximum d'avoir les fibres de l'ananas, vous enlevez le cœur de l'ananas. Ouais, moi, je l'ai pas fait. C'est le plus fibreux. C'est le plus fibreux. Je l'ai pas fait parce que, bon, j'aime bien c'est ce qui reste coincé dans les dents quand on mange. Voilà, interruption canine. Allez, voilà, calme, comme ça. Voilà, bien.
pause. Même le chien, il y goûterait, hein. Tellement c'est bon. Enfin, il goûte un peu à tout, quoi. Parce qu'avec Barbare, hein. On n'est pas des mauviettes. Comment s'appelle ce fameux breuvage, mademoiselle? Voilà. Nous en étions donc à trouver le nom de ce fameux breuvage. C'est après une courte page de publicité. Le Montana. Le Montana. Moi, ça me fait penser... Ça fait un peu vacances. Au Montana. Tu sais, le... L'état américain. Voilà, c'est pour ça que je me disais que ça m'appelait. Ah, c'est ça qui est. Voilà. Eh ben, appelons le Montana. Le Montana. Ah, le Montana, pardon. C'est pas la même chose. Le Montana. Après, je sais pas s'il y a beaucoup d'ananasiers. Mais peu importe, je m'en souviens, je m'en. C'est très bon pour moi. Objectivement. Objectivement, c'est frais, c'est. Le double effet qui se coule. Ah bah ça. C'est pour ça. Ça, c'est ça. Ah bah on peut l'appeler le qui se coule. Ou on l'appelle le qui se coule. Ouais. À la menthe. Le qui se coule, ouais. Le mentana qui se coule. Le l'ananas qui se coule. C'est pas facile l'élaboration d'un nom. Vous avez des suggestions. Parce qu'avec Barbare, on n'est pas des mauviettes.